Alors, bonjour la grande famille. Ici, c'est votre sœur, la vraie douceur. J'ai un message très important pour les futurs gagnants de la DV Lottery et les gens qui ont déjà gagné et attendent leur lettre d'interview. Mais avant de passer à ça, j'aimerais vous dire que le temps me fait énormément défaut. Donc, certains d'entre vous m'ont posé des questions que je trouve vraiment très importantes. Je vais profiter à partir d'aujourd'hui de faire quelques vidéos d'une ou deux minutes que je vais poster, peut-être trois vidéos par jour, très courtes, pour répondre à ces questions. On est d'accord. Alors, chers gagnants de la DV Lottery 2023, vous attendez votre lettre d'interview. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de très urgent. Lorsque vous vous rendez à votre visite médicale, rappelez-vous ceci. L'ambassade, comment appelle-t-on? L'hôpital travaille pour l'ambassade. L'hôpital est supposé de donner des comptes rendus à l'ambassade. Alors, lorsque vous allez là-bas, apprêtez-vous comme si vous êtes en train de faire des interviews. Si le docteur vous pose une question, pensez deux fois avant de répondre. On est d'accord. N'allez pas dire X à l'interview et allez dire, n'allez pas dire X le jour de votre visite médicale et allez dire Y le jour de votre interview. On est d'accord. Si le gouvernement américain a déjà payé Facebook pour retirer les informations de quelques individus juste parce qu'ils pensent que, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent le faire, je ne vois pas ce qui va les empêcher à faire pareil à un docteur qui travaille déjà pour eux. On est d'accord. Alors ici, c'est votre soeur, la vraie douceur. On se dit à plus. Bye bye. Toujours un plaisir de vous parler.